Jeanne d'Arc, du haut de cette colline, il y a 4 ans, a vu arriver les Allemands. Ils s'étaient installés là, ils pensaient sans doute y être pour toujours. Et puis voilà, il y a quelques jours, ce sont les Alliés qui sont arrivés, à leur tour. On se bat encore tout autour de la colline, mais au-delà, la France est de nouveau libre. Et ceci est une petite ville de France où la guerre vient de passer. Les Allemands ne sont pas à plus de 5 km d'ici. La petite ville est encore désertée, les rues sont encore vides, on entend encore le canon, tout près. Il y avait une belle usine dans la petite ville. Les bombardements l'ont à moitié détruite. Il y avait une jolie petite gare aussi. Mais il faudra attendre avant d'y voir passer à nouveau le train de 8h47. Le pont du chemin de fer a sauté là-bas et les rails sont tordus. Sur la place principale, un mémorial dédié aux lanciers américains de 1914-1918. Déjà. Oui, déjà. Et après celle-là, une autre guerre vient encore de passer sur la petite ville française. Mais c'est difficile de détruire une ville, parce qu'une ville, ça n'est pas tellement des maisons, c'est des gens aussi. Et ces gens-là, c'est le peuple de France. Et ils ont l'habitude de reconstruire leurs maisons. Ceci, c'était le collège. Les Allemands n'aiment pas les collèges où on apprend l'histoire de France, alors ils l'ont brûlé. Vous connaissez de nom le Mississippi, mais connaissiez-vous Jacques Marquette? Non, probablement. Eh bien, Jacques Marquette a été écolier dans ce collège il y a 400 ans et il a découvert le Mississippi. Battre à 5 km d'ici, mais déjà les citoyens de la petite ville sont revenus et ils se sont mis à l'ouvrage. Les Allemands ont démoli le pont, soit avec un vieux bac, on traversera la rivière tout aussi bien. Ce vieux bac, c'est comme un symbole de bonne volonté ou de volonté, tout simplement, la volonté de vivre. Les Alliés ont installé un bureau des affaires civiles, où naturellement il n'y a que des militaires. Mais la petite ville est française et elle est contrôlée par des Français. Voici par exemple M. Villette, l'adjoint au maire. Il sort de prison, une prison allemande, bien entendu. Transport, nourriture et logement, mon capitaine, voilà tout ce qu'il me faut. En s'y mettant tous, on en sortira. Vous avez raison, monsieur Villette, dit l'officier allié. On va s'y mettre tous, vous et nous, et on en sortira. Et c'est le nouvel esprit de la petite ville, tout le monde s'y met. Les habitants se pressent autour du bulletin de nouvelles qui sont enfin, après 4 ans de malheur, de bonnes nouvelles et sans brouillage. Et enfin, on peut en parler librement, sans être forcé de regarder s'il n'y a pas un espion derrière qui vous écoute. Dans le vieil hôtel de ville, le maire s'est assis de nouveau, le maire que ses concitoyens avaient élu il y a longtemps, quand la France était libre, et qui est revenu prendre sa place, puisque la France est libre de nouveau. Et il en a des problèmes à résoudre, monsieur le maire. On avait une maison, mais maintenant il y manque le toit. Pourriez-vous nous faire avoir ça par hasard, monsieur le maire? Mon mari s'est engagé avec les FFI, monsieur le maire. Comment pourrais-je avoir de ces nouvelles?
On est juste retourné d'hier, monsieur le maire, mais on a perdu nos papiers. Et d'ailleurs, ils étaient faux, à cause des boches. Pouvez-vous nous en faire des vrais, cette fois? J'ai un camion, monsieur le maire. Donnez-moi un peu d'essence et j'irai vous chercher du ravitaillement. Il y a des dizaines, des centaines de petites villes comme celle-là en France. Certaines sont intactes, d'autres en ruines, d'autres semblables à celle-ci. Mais comme celle-ci, elles se sont toutes remises au travail. Une bombe a détruit ceci, un obus endommagé cela, mais c'est déjà le passé, et c'est aujourd'hui, et c'est demain qui sont importants. La vie reprend si vite, sans doute, parce qu'elle n'avait jamais tout à fait cessé. Il y a une crevasse dans le toit de l'usine, mais les chaudières sont en bon état. Les Allemands ont jeté des grenades sur les turbines, mais ça peut se réparer, et elles marcheront bientôt, à nouveau. Tout alentour de la petite ville, la campagne est grasse et fertile. Les fermes sont riches. Les Allemands ont volé les chevaux, les charrettes, les troupeaux, mais ils n'ont pas pu emporter tout, ni tout le monde. Et si l'agriculture manque de bras, elle en a encore assez pour assurer la prochaine moisson. Déjà, un premier ravitaillement arrive vers la petite ville. Et pour la petite ville française, le boulanger français a pétri ses premiers pains faits de farine française. Ce sont des soldats alliés qui l'ont apporté dans leur camion. Avant de remonter en ligne, ils assistent à la distribution. Voici monsieur l'administrateur du ravitaillement, et il a le sourire. Il y a de quoi, il n'est plus seulement administrateur, il a aussi du ravitaillement. Et la petite ville se peuple à nouveau, peu à peu. Le va-et-vient reprend, presque comme autrefois. Seulement, hélas, certains n'ont plus de maison où aller. Alors, ce sont les voisins qui les accueilleront, qui leur offriront une assiette et un gîte. Monsieur Villette l'a dit, en s'y mettant tous, on en sortira. Et tout le monde s'y est mis, et peu à peu, l'on renoue les liens avec la vie. Les policiers volontaires prêtent serment. Le front est seulement à 5 km de là et les soldats ont autre chose à faire que de surveiller les routes et les dépôts. Ceux-ci n'ont pas d'uniforme, mais les hommes du maquis non plus n'en avaient pas. Et ce n'est pas ce qui importe pour bien faire son devoir. Il faut réparer les rues tout de suite, boucher les trous d'obus, balayer les gravats et que le trafic reprenne aussitôt. Encore un trou d'obus, le toit a été arraché, mais la maison demeure, et la famille qui y habitait. Cet homme-là a été déporté en Allemagne 4 ans. Il lui disait, « Tu travailleras pour nous !» Eh ben non, là-bas, il ne savait plus travailler. Aujourd'hui, il se rattrape. La guerre apporte aussi la maladie, elle empoisonne les rivières et les sources. Les services sanitaires alliés permettent aux habitants de boire sans crainte l'eau de leur fontaine. Et tout au long de la ligne ferrée, il y a d'autres petites villes qui ont recommencé le travail. Et l'on répare la voie, et bientôt le contact sera repris, les trains circuleront de l'une à l'autre, comme jadis. Cependant, les convois alliés montent vers les lignes avec leur cargaison pour les combattants, et la route déblayée à présent passe à travers la petite ville qui participe ainsi un peu plus à la lutte contre l'ennemi commun. Oui, vraiment, la guerre est passée là et elle continue d'y passer. Et ce dimanche, le second dimanche de liberté après 4 ans, il semble à chacun dans la petite ville que l'air qu'on y respire soit plus pur et le soleil plus éclatant.
Dimanche après-midi, la liberté reconquise brille dans les yeux des jeunes gens. Liberté de jouer, de rire ou de se reposer sans contrainte. Sans derrière elle, ruine coutume. Mais du haut de cette colline, Jeanne d'Arc regarde ses campagnes apaisées. L'ennemi n'est pas encore bien loin, mais si près qu'il soit encore, il n'y restera plus longtemps.